Salut les amis, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, regardez où je vous emmène. Au bord du lac Léman en Suisse, sur les hauteurs de Vevey, à côté de Lausanne, pour ceux qui connaissent. Et au programme d'aujourd'hui, on va d'abord escalader une montagne. Ensuite, on va, j'espère, assister à un magnifique coucher de soleil. Et pour finir, on va manger une bonne raclette chez mon pote Joe. Allez, c'est parti! That's burning out the old worn out liar. I see the problem. Voilà, on va faire une petite pause parce que là c'est un cas super pour vous illustrer le fait que faire décoller son drone c'est pas toujours facile. En fait j'ai pas trouvé d'espace plat pendant toute cette petite randonnée pour le faire décoller et du coup il va falloir essayer de le faire décoller à bout de bras. Et j'ai jamais fait ça avant donc ça va être une grande première avec vous tout de suite. Donc on va déjà allumer la télécommande. Ensuite, je vais allumer mon iPad, l'application Jigo 4, et on va allumer le drone. J'ai essayé de pas trop bouger pour qu'il s'initialise correctement. Alors la caméra s'initialise, et le drone est connecté. J'ai du signal GPS, donc j'ai plus qu'à essayer de démarrer les moteurs à une seule main. On va essayer ça tout de suite. Jusque là, tout va bien. Alors les gaz, c'est sur le joystick de gauche. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas facile du tout. Hein. On va faire comme ça. Et on va le lâcher. Voilà. Hey, super simple. Maintenant, on n'a plus qu'à essayer de le faire atterrir. Je sais pas si vous m'entendez. Alors, pour le faire atterrir, on va faire la même chose. Et le tenir doucement et maintenir le joystick vers le bas. Facile! Voilà, il n'y a plus de problème. On peut faire décoller son drone Mavic n'importe où. Allez, c'est reparti pour la rando. To the